Je vous souhaite à tous une agréable semaine. Oui, par la grâce de Dieu, oui, tout ira à merveille. Faut garder le sourire, tant qu'à la santé, tout va bien. Coucou mes choubidous. Alors, eh bien, aujourd'hui, je reviens pour quelque chose de bien précis. Vous montrer mes lectures. C'est-à-dire qui m'ont inspiré dans la vie, qui m'ont aidé, qui me donnent de la joie, de la bonne humeur et qui m'aident. Surtout en ces périodes-là anxiogènes, eh bien, ça fait du bien. Alors tout d'abord, ma Bible, vraiment, c'est le livre que j'aime par-dessus tout. Ceux qui n'aiment pas le développement personnel ne regardent pas parce que ça ne va pas leur plaire. J'ai pas mes lunettes. Et si elles sont là, voilà. Alors, elles sont très originales, comme vous pouvez le constater depuis un petit moment. C'est tout simplement que j'ai cassé mes lunettes et du coup, j'ai retrouvé une paire que j'avais fait par un créateur. Du coup, je suis très contente d'avoir récupéré ces lunettes-là. Alors, changer les verres. Alors, voilà, ma Bible, ce que je lis tout le temps. C'est Tachito, mon ami américain, qui me l'a offert. Alors, je ne vais pas tout vous dire. Ça, c'était un message de mon ex. Bisous, mon cœur. Voilà, ça, c'est le Gonzon. C'est-à-dire, c'est un mantra. C'est Nam-myoho-renge-kyo. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, on fixe cette image-là, ici, et on fait comme ceci, on fait « faut que j'accepte le confinement, faut que j'accepte le confinement, faut que j'accepte le confinement ». Pour ceux qui ne l'acceptent pas, moi je l'accepte parce que j'ai l'habitude de vivre seule, donc ça ne me dérange pas du tout, et puis je suis plutôt casanière, mes amis vous le diraient, je suis plutôt casanière qu'autre chose. Donc, ce livre, c'est basé sur la loi d'attraction. Il y a un peu le bouddhisme. Comment vous dire? Il y a des choses incroyables. Tiens, ça c'est mon meilleur ami qui m'a écrit. En souvenir d'un moment partagé avec amour et esprit de l'un et de l'autre. De tout cœur. C'est mon ami Thierry. Parce que je mets beaucoup de choses dedans. Voilà. Donc, ce livre-là, il est tout simplement... C'est ce qu'on a découvert, le secret, c'est la loi d'attraction. Tu penses positif, tu vas attirer le positif. Si tu penses négatif, tu attireras le négatif. Il y a aussi la visualisation, c'est ce que je voulais vous parler. La visualisation, c'est prendre, mais ça je l'ai depuis des années, ça fait au moins 8 ans, 9 ans, je sais pas. Voilà, c'est prendre ceci, le regarder tous les jours. Vous prenez un format, vous pouvez faire un grand format, un petit format, un moyen format, et vous mettez... tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez envie dans la vie. Alors moi, j'avais pas beaucoup d'espoir, moi, je voulais maigrir, c'était mon but. Et j'ai fait aussi dans mon travail, vous voyez, il y en a un autre là, et j'ai fait aussi dans mon travail un grand comme ça, mais cette fois-ci, je l'ai fait à pratiquement tout le mur, et j'ai mis comme quoi je voulais aller aux Caraïbes. N'importe quoi, mais je voulais aller aux Caraïbes. Donc, j'avais mis des tas de photos des Caraïbes et tous les matins, quand j'arrivais au bureau, je voyais ces photos des Caraïbes. Eh bien, je vous promets, je vous jure que c'est vrai sur ma vie, je suis partie aux Caraïbes. Jamais j'aurais pensé partir aux Caraïbes. Je suis partie un mois aux Caraïbes. Ça, alors, en fait, c'est faut bien le regarder tous les jours, tous les jours. Mais comme moi, j'étais au bureau, je le voyais tous les jours, donc sauf le week-end. Donc, c'était... Puis en plus, j'avais emmené un dossier et j'avais mis aussi sur mon dossier un voyage aux Caraïbes. Alors, donc, on va faire quelques exercices. La villa de vos rêves, vous pouvez mettre. Alors, j'ai quelques trucs que j'ai surlignés. Vous voyez, c'est là où je mets mes feuilles de loto si je joue. Alors, plus grand est l'amour que vous revendez. Et que vous émettez. Plus grand est l'amour que vous ressentez et que vous émettez. Plus grand est le pouvoir que vous canalisez, que vous maîtrisez et mettez au service des autres et de vous-même. Plus on aura de la gratitude, mieux ce sera. Plus on remerciera chaque jour. Moi, en ce moment, je remercie Dieu tous les jours. J'ai une belle carte que Thierry m'a offerte, parce qu'il est très pieux. Tous les jours, je prie. Et tous les jours, je le remercie, tout comme je remercie mon ange, mais elle le sait très bien, mais ça, je ne vous dirai pas qui c'est, mais j'ai un ange gardien qui est... Si tu regardes ma vidéo, je t'aime à la folie, tu le sais. Voilà, et... Pardon, excusez-moi. Et donc ça, c'est très important, je vous le recommande, c'est de Rhonda Byrne. C'est tout simplement le secret. Le secret, c'est d'avoir découvert la loi d'attraction.
c'est d'avoir découvert la visualisation, parce qu'en visualisant les choses, on peut les obtenir. Il faut du temps, on ne les aura pas tout de suite, mais un jour, ça arrivera. Moi, j'ai eu la chance que ça arrive de suite, mais ce n'est pas tout le temps. Que ressens-je ? Je retrouve des trucs que j'avais écrits. Parce que, en fait, dans ce livre-là, il y a énormément de choses. Regardez, j'ai même... Regardez. Voilà, il y a une fleur. Tout est énergie et permettez-moi de vous aider à mieux comprendre ce concept. Il y a l'univers, notre galaxie, notre planète et ses habitants. Et puis, à l'intérieur de notre corps se trouvent des organes qui se décomposent en cellules, en molécules et en atomes. Ensuite, il y a l'énergie. On peut donc penser à de nombreux niveaux, mais tout dans l'univers est l'énergie. Voilà. Voilà. Le secret renferme la sagesse des maîtres du temps moderne, les hommes, les femmes qui l'ont utilisé et mis en pratique pour accomplir des choses extraordinaires. Ils ont supprimé la maladie, acquis d'immenses fortunes, surmonté des obstacles et réalisé l'impossible. En fait, moi, quand j'ai eu mon cancer en 2008, j'ai pensé positif. C'était la seule chose. J'avais ce livre. Et je suis bouddhiste, alors même bouddhiste à mes yeux, là, en ce moment. Donc j'avais ce livre et j'avais le bouddhisme. Et quand je faisais la radiothérapie, parce que ça me faisait très mal, je priais, je faisais Namyo Rengekyo du bouddhisme, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo. Et cela m'a aidé énormément, croyez-moi. Maintenant, je vais vous montrer un autre livre que mon fils m'a envoyé, parce qu'il sait que je suis une anxieuse et une hypochondriaque. Alors lui, complètement... je ne l'ai pas. Ah non, je ne l'ai pas. C'est un livre qu'il faut détruire. C'est un livre qu'il faut s'envoyer par la poste. C'est un livre qu'il faut... pas cracher dessus, mais presque un truc de malade. C'est un déstressant, mais moi, je n'ai pas trop utilisé ce livre. Ensuite, vous avez ceci. Atma, le pouvoir de l'amour. Alors ça, je ne vous cache pas que c'est un livre qui coûte très cher. Ce petit livre-là, il coûte 25 euros. Voilà, il est tout petit. Mais c'est ce qu'on appelle le pouvoir des allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez le pouvoir des allumettes. Alors... Je dessine les lignes d'attachement, voilà, je dessine les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes reliant les 7 centres d'énergie des deux personnes. En fait, ça marche. Hein. En fait, ce que vous faites, voilà, vous faites 2 cercles. Dans le cercle, vous mettez un homme et vous mettez une femme et vous mettez le prénom et le nom de la personne. Attention, ce n'est pas du truc vaudou, hein. C'est que des choses positives. Hein. Et ici, là, vous entourez de rayons. Elle, vous l'entourez de rayons. Après, vous entourez un gros cercle comme ça. Ça ne fonctionne que comme ça. Et vous avez des points. C'est les points de chakra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous les reliez l'un à l'autre. Et une fois que vous avez fait votre demande, vous le déchirez. En deux. Voilà. Violet pour le centre au-dessus de la tête, le coronal. Voilà. Si vous voulez que je vous explique, eh ben, je vous expliquerai parce que là, ça prend du temps. Mais franchement, ce livre... il est vraiment super. Voilà. Retrouver le potentiel de vie en soi. Livre d'exercices pratiques pour favoriser l'ouverture de la conscience, le bien-être et la paix intérieure. Regardez sur internet, vous allez voir, il y a le petit bonhomme aux allumettes et il vous explique comment faire. D'accord ? Voilà, ça c'est un livre que j'adore. Après, vous avez celui-ci. Alors celui-ci, c'est 100% bonheur de Raphaël Giordano. C'est 100% bonheur. Ce sont des exercices à faire. Regardez des vidéos que j'ai fait, j'en ai parlé et puis après j'ai arrêté de le faire. Mais vous voyez, en fait, et si vous deveniez vous-même créateur d'harmonie? Alors, tout simplement, à partir de mots sagesse classés de A à Z, comme acceptation, confiance ou sourire, cheminez vers le bien-être de sérénité dans votre quotidien, au bureau, en famille ou entre amis. Voilà, ce sont des exercices. Énergie. Quelle activité vous met en énergie? Ça fait très longtemps que je l'ai écrit. Faire mes vidéos et ranger ma maison. Voilà, en fait, vous écrivez les choses que vous ressentez du plus profond de vos cœurs. Vous voyez, regardez, ça se présente comme ceci. Là, on a la lettre R. Alors, la lettre R, on a la reconnaissance. Essayez, donner des signes de reconnaissance à votre entourage et constater les changements d'humeur et de comportement, c'est magique. Vous voyez, donc c'est plein de choses comme ça, plein de conseils. Vous voyez, il est tellement vieux. Ensuite,
mon carnet de coaching 100% thérapie. Alors celui-là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je l'ai trouvé dans une braderie. Non, je l'ai trouvé dans un... comme Nose, hein, je crois, un truc comme Nose, je crois. Quelle est la posture assise menaçant, raide, faisant fesse, même si vous ne dessinez pas vraiment ce loup ou ce monstre. Voilà. En fait, vous dessinez des choses et ça représente des choses pour vous. Voyez. On peut ainsi ressentir beaucoup plus de calme, de maîtrise dans sa vie, arrêter de fumer ou trouver des solutions à des problèmes. Alors, ils disent tout simplement, vous souhaitez surmonter ou clarifier une situation, vous rebooster, construire un projet, trouver une réponse à un problème, exprimer ce besoin. Alors, il y a du coloriage, il y a de l'art thérapie. Donc, je vous montre un petit peu en gros comment il est. Par état alphabétique. Et là, vous avez du coloriage. Je l'ai pas les pilates pour faire du pilates. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc ça, je vais l'utiliser parce qu'en ce moment, il va m'être très utile. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors, c'est aussi, ça fait partie d'elle, le développement personnel. Je vous le recommande. Camille, 38 ans, écart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors, pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'aider, elle n'hésite pas à longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Un roman tendre, drôle et divertissant qui pourra vous aider à prendre votre envol pour une nouvelle vie. Allez au plus vite car on n'en a qu'une. Vitaminé, bien pensé et très agréable. Vous voyez? Puis il coûte quoi? Il coûte rien du tout. Celui-là, il doit coûter 6,50€, 7€. Voilà, mais malheureusement, pour l'instant, les magasins sont fermés. Mais si vous le trouvez. Alors là, réenchanter sa vie au quotidien. Alors ça, c'est plus, vous voyez, le gâteau du bonheur. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, remettre à pratiquer la méditation. Méditer au quotidien. Oui, je vous recommande la méditation. La méditation, c'est en fait... Oh, mon téléphone qui fait... Je sais pas si vous avez vu, mort de rire, mon téléphone qui part en cacahuète. J'ai vu mon téléphone partir. Voilà. Alors, la méditation, c'est tout simplement, en général, vider son esprit en pleine conscience. Vous faites 4 inspirations, comme ça. Vous bloquez, vous comptez. 1, 2, 3, 4, vous fermez les yeux ou pas, vous visualisez les chiffres, 1, 2, 3, 4, et vous revisualisez les chiffres, 1, 2, 3, 4, de façon à ce qu'ils partent, c'est-à-dire, et vous recommencez. Il faut le faire tous les jours, pas longtemps, et ça vous fait du bien. Moi, je le fais de temps en temps. Et surtout, quand vous faites ça, vous sortez le ventre et vous rentrez le ventre. Quand vous soufflez, votre ventre doit rentrer. D'accord? Voilà, c'est les petites méthodes. Ensuite, mon carnet de coaching 100% bonheur. Celui-là, c'est 100% bonheur. D'accord? Confiance. Alors moi j'ai mis, ce sont des choses positives, état d'intérieur favorable. Et si vous fabriquiez votre mantra de confiance, j'ai confiance en moi, le stress ne m'atteindra pas, je réussis tout ce que j'entreprends. Voilà. Alors ça aussi c'est des, en ce moment c'est vrai que c'est des livres à lire et que je vais relire aujourd'hui, demain. Et là c'est dommage, mais je vous l'aurais conseillé à 10 000%. En fait, je me suis trompée. Moi, j'achetais mon petit cahier pensant que c'était pour les adultes. Et en fait, c'est les adultes pour les enfants. Alors, c'est tout simplement, ayez confiance en soi, c'est voir la vie en rose. Nouveaux copains, poésie à réciter, première colonie de vacances pour oser se lancer, prendre du plaisir. Voilà, alors le problème, c'est que moi, je ne peux pas l'utiliser parce que c'est pour les enfants. Mais il est génial. Mais vraiment, il est vraiment génial. C'est tout simplement créer un environnement familial favorable en posant les bonnes bases de l'hygiène de vie, de l'écoute, des relations nécessaires et de son épanouissement. Appliquez les 3 rituels quotidiens au réveil, en rentrant à l'école et avant de se coucher, des moments clés et rassurants. Adoptez les 4 programmes boosters de confiance.
booster l'autonomie pour aider à renforcer sa zone de confiance. Exercice de sophrologie, de méditation et de massage. Ça, c'est pour vous et les enfants. Il est génial. C'est la série Mon petit cahier. Voilà, comme j'ai payé ça. Les émotions soutenant le langage commun. Aujourd'hui, pour réussir, les capacités à réguler ses émotions comptent autant qu'un. QI élevé et les compétences techniques. Comment acquérir plus de confiance en soi, s'affirmer, écouter. Il y a des tests, mais c'est message de paix, que le vrai courage est celui de résister à l'envie de vengeance pour confronter l'autre à sa responsabilité. Non, c'est, à l'envie de vengeance, ne pas être vengé, quoi. Ça, va falloir que je le lise aussi. Celui-là, je l'ai commencé, ça a été une prise de tête, j'étais pas dedans, mais il est très compliqué. Franchement, il est plus intellectuel qu'autre chose. Il y a des tas de tests et tout. Je l'ai acheté à Maison du Monde, mais je me suis trompée. Et puis, pour finir, les 4 saisons de la bonne humeur que j'ai trouvées en chemin un jour avant le confinement, quand j'ai perdu ma carte bleue. Je ne l'ai pas lu encore. C'est un professeur. Est professeur de psychiatrie et d'addictologie de la faculté de médecine Paris et chef service dans plusieurs hôpitaux parisiens. Après tout déprimé est un bien portant qui s'ignore, le professeur Michel Lejoyeau propose pour chaque âge de la vie un programme précis et pratique pour faire saison après saison le plein d'optimisme et d'énergie. Alors, je ne l'ai pas lu encore. Chauffer ses zygomatiques. Alors, Michel Audiard est une drogue douce dont on a toujours besoin. J'en consomme sans modération. Voici quelques exemples. N'hésitez pas à enrichir votre carnet de rire. On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Conduire dans Paris, c'est une question de vocabulaire. Oui, c'est vrai. Ouais, attends, abruti, t'avances, mais c'est exactement ça. Quand on parle pognon à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Ouais. C'est l'argent qui dirige le monde. J'espère que maintenant, ce ne sera plus l'argent, mais ce sera l'éco-citoyenneté. Ce sera tout simplement la planète qu'on va sauver et non pas l'argent qui mène le monde. Ce sera les animaux, la planète, tout, le bien-vivre. Arrêtons de détruire la planète. Dans la vie, il y a 2 expédients à n'utiliser qu'en dernière instance, le cyanure ou la loyauté. Aïe. Le bonheur, on y fait. Le malheur, on s'y fait. On ne s'y fait pas, c'est ça la différence. Ah ouais, le bonheur, on s'y fait et le malheur, on ne s'y fait pas, c'est ça la différence. Comment les Italiens ont appris à aimer les légumes? D'où vient l'image que j'ai de moi-même aujourd'hui? Comment faire des expériences de changement d'image? Je ne l'ai pas fait encore alors que je devrais le faire puisque je l'ai trouvé, donc c'est un signe. C'était juste un jour avant le confinement, donc je l'ai trouvé par terre, tout neuf, je l'ai désinfecté. Et sans savoir qu'il y avait le corona, puisque on n'était pas confinés encore, donc c'était pas grave encore. Et du coup, je l'ai tout désinfecté quand même. Et pour vous, mesdames, pour les couples qui en ce moment, c'est compliqué, peut-être vous pouvez le trouver sur Internet. Vous l'avez, je crois, en vidéo, Mars et Vénus réunis ensemble. Les hommes verts de Mars, les femmes de Vénus. Alors, il faut savoir que ça, vous pouvez le retrouver. Mais là, c'est Mars et Vénus réussir ensemble. C'est un autre que j'ai acheté. Parce que voilà, c'est tout ça. Donc, ce sont tous mes livres. Hein, voilà, j'en fais une petite vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, mon livre, mais vraiment, que j'ai lu plein de fois. D'ailleurs, il y a des vidéos sur le secret. Il vous explique tout. Il y a la loi d'attraction. Je vais vous faire encore un petit truc et puis parce que je le connais par cœur, mais faut que j'ai une idée. L'univers aime la vitesse, ne tardez pas, n'hésitez pas, ne doutez pas. Lorsque l'occasion se présente, lorsque l'impulsion est là, lorsqu'une poussée intuitive vous interpelle, agissez, c'est à vous d'agir. Effectivement, si vous avez un ressenti, n'allez pas contre, ne dites pas non. Allez-y, foncez. Si vous sentez quelque chose, foncez. Moi, j'ai toujours... À chaque fois, j'avais une pensée, je me disais, de toute façon, je m'en fous, c'est pas grave. Mais maintenant, j'ai compris que quand j'ai une pensée, il faut que je la fasse. Qu'on peut faire, quoi. Quelque chose de réalisable, hein, pas quelque chose... Mais quand on a un ressenti,
ben, faut y aller, faut y croire. En tout cas, je vous aime. Mais en ce moment, les ressentis, c'est un peu compliqué parce qu'on est on est dans l'anxiogène, on est dans l'anxiété, on panique un peu. Donc, les ressentis, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. On peut avoir des ressentis de peur, voilà, plein de choses. Mais là, non, en ce moment, on ne peut pas parce qu'on est dans un état où c'est un peu compliqué. Surtout ceux qui sont confinés, qui sont dans l'appartement, qui n'ont pas. Moi, j'ai mon jardin. Chez moi, c'est un jardin, d'ailleurs. Mais je n'ai pas d'extérieur. Et ceux qui ont un jardin, croyez-moi, vous avez beaucoup de bonheur et c'est tant mieux pour vous. Je suis très heureuse pour vous, sincèrement. Il y en a qui ont la piscine aussi, c'est encore mieux. Voilà. Mais moi, voilà, je suis vraiment confinée. Je pense qu'il y en a d'autres, c'est pire. Il y en a qui sont dans un appartement comme ça, qui sont peut-être 4, 5, voire 6. Donc je me dis, moi, je suis toute seule dans mon appartement avec mon chat, j'ai pas à me plaindre du tout. Hein. Je me plains du soleil, oui, c'est un fait. Mais bon, voilà. C'est parce que moi, le soleil, il rentre chez moi, mais extrêmement violemment. En tout cas, ben, on va finir cette vidéo. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est rigolo d'ailleurs. Qui m'a dit, Sybille, il y a quelqu'un qui t'a imité, mais pas du tout dans le sens méchant. Hein. C'était une vidéo qui tourne, je ne l'ai pas vue encore. Et puis il y avait, coucou les chouchous bidou. Et en fait, c'est quelqu'un qui se moque, mais pas méchamment du tout, qui est vraiment très dans l'empathie, qui est super gentil. Je n'ai pas vu la vidéo tourner. Si vous la voyez, dites-le moi. D'ailleurs, je fais coucou à quelqu'un qui est très gentil, j'ai pu, qui m'a fait mon intro, qui m'avait découvert sur France 2. Je lui fais un petit coucou. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis I love you, je vous dis te quiero, ti amo. J'ai ça dans les mains. J'en ai pas besoin. Et je vous dis bye bye, ciao, abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Dites-moi si la vidéo vous a plu ou si elle vous a saoulé. Ça se trouve, au bout d'une minute, vous allez partir. Mais c'est pas grave, le but, c'est de vous montrer un peu les vives que j'aime et tout ce que j'aime. Et quelquefois, ça fait du bien. Je vous embrasse. Et ça pourra vous faire du bien et vous pouvez les trouver, je pense, sur la FNAC en audio. Bye bye, ciao!